Et bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire, euh, la mise à jour sur notre campagne Your Car, Your Data, Your Choice. Merci encore de vous joindre à nous. Il s'agit d'un format webinaire. Alors, pour les prochaines 45 minutes à peu près, euh, vous allez avoir évidemment toutes les gens euh, en mode d'écoute seulement. Si vous désirez nous poser des questions, on vous invite à le faire à travers l'onglet euh, QA pour euh, poser des questions. On va se faire un plaisir de répondre à ces questions. Euh, au cours de la présentation. Et n'oubliez pas de rester en ligne puisque nous avons également un invité d'honneur aujourd'hui, Bill Hanvey, le président directeur général de AutoCare, qui va se joindre à moi également pour donner une perspective un petit peu là, de ce qui se passe aux États-Unis sur le sujet euh, de l'accès à l'information et du droit à la réparation. Avant de continuer, je me dois de premièrement euh, lever mon chapeau et de dire bon, merci encore une fois à nos commanditaires. C'est grâce à votre contribution financière qu'on est capable de continuer nos actions. Alors encore une fois, merci pour votre générosité. Mais je veux également aussi souligner la participation de nos champions de l'industrie. Ce sont les organisations qui se sont joints au mouvement et qui continuent eux aussi à faire la promotion de notre campagne. Encore une fois, très... merci beaucoup à vous tous. Cette liste de champions continue à grandir et je vous dirai un peu c'est l'objectif d'aujourd'hui, entre autres. C'est de s'assurer que euh, ces euh, champions-là, la liste des champions, continue de grandir. Nous avons besoin de tous, à vous, euh, dans l'industrie, pour nous permettre là, de, euh, de bien faire résonner le message de la campagne. Alors, avant de continuer, euh, je voudrais faire peut-être un petit peu sondage. Alors, euh, je pense que vous êtes habitués maintenant avec la plateforme Zoom. Alors, je vais demander à Larissa de lancer un petit sondage de pour avoir une perspective de qui est euh, en ligne avec nous aujourd'hui. Et votre niveau de connaissance par rapport à la campagne. Alors, le, le, le sondage est en ligne. On va vous demander d'y répondre. Et dès que vous avez terminé de répondre au sondage, on va pouvoir partager les résultats avec tous. On va y laisser encore quelques secondes pour vous permettre de compléter le sondage. Encore cinq secondes. Parfait. Larissa, si on peut partager peut-être les, les résultats avec euh, tout le monde. Je suis content de voir que tous les répondants euh, nous ont dit qu'ils ont signé la pétition. C'est important. Euh, et Certains d'entre vous ne sont pas très au courant, veulent en savoir un peu plus. Alors, on va s'assurer, euh, durant la présentation d'aujourd'hui, euh, de vous donner un peu plus d'informations euh, là-dessus. Avant de continuer, on avait également reçu des questions. Euh, principalement en anglais, mais je vais me permettre de faire une, une traduction rapide. Euh, certaines des, des questions que vous avez déposées, entre autres, c'était est-ce que c'est le sujet de l'action à l'information euh, des véhicules, est-ce que c'est effectivement relié au droit à la réparation? Bien, je dis que oui, bien qu'il s'agisse d'un sujet plus grand. Vous savez, le droit à la réparation, ce n'est pas juste dans l'automobile, c'est également dans l'électronique, nos téléphones cellulaires, et ainsi de suite. C'est un sujet euh, plus grand, mais également, lorsqu'on parle de la voiture connectée, c'est également un sujet, je pense, qui va au-delà du, simplement du droit à la réparation, puisqu'il y a plein d'autres aspects euh, qui sont importants euh, pour les gens dans euh, le domaine. Il y avait également une question, ou peut-être un commentaire, qui disait euh, les, les, Est-ce qu'il y a des gens au gouvernement fédéral qui présentement peuvent nous assister, qui sont capables de nous aider là-dessus Et la réponse, simplement, c'est oui. Euh, oui, il y a des gens à travers le gouvernement. Dans la bureaucratie fédérale, qui comprennent l'importance de l'accès à l'information des véhicules, euh, qui nous ont donné, je vous dirais, là, des, euh, des indications que, oui, il veut s'assurer qu'on continue d'avoir euh, de la compétition dans l'industrie et d'avoir le, le choix du client, si on veut. Par contre, il faut comprendre aussi qu'il y a quand même un très, un très bon lobby de la part des manufacturiers automobiles. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est que, oui, il faut s'assurer qu'il y a des gens qui nous supportent, mais qu'également, euh, notre voix soit assez grande pour assurer qu'elle ne soit pas là, étouffée. Euh, par euh, certains, certains lobbies. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont également euh, plus du côté de la carrosserie, de la réparation euh, des carrossiers. Et euh, euh, peut-être une, une question en disant que les assureurs et les gens qui réparent aux carrossiers doivent suivre évidemment les indications, le, les procédures des manufactures automobiles euh, pour s'assurer qu'on les suit bien. Et je dis souvent aux gens absolument le droit à l'information. Euh, ne veut pas dire de ne pas suivre les recommandations de réparation des manufacturiers automobiles. On veut tous s'assurer de bien réparer les voitures, d'assurer des réparations sécuritaires euh, pour les gens qui possèdent leur voiture. Par contre, ça prend l'information. Et encore, on revient au même sujet en disant pour être efficace, pour offrir des réparations efficaces et au meilleur prix possible, il est important d'avoir un accès direct à l'information des véhicules et ça revient en fait rejoindre tout à fait notre grande euh, bataille. Et finalement, un commentaire ou une question en tant que propriétaire d'un atelier euh, et des, avoir des, 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 des techniciens certifiés, comment peut-on assister pour aider la cause? Écoutez, on va en parler aujourd'hui. On a en fait trois grands appels à tous. On a trois grandes actions qu'on veut tous que vous posiez aujourd'hui et on va en parler euh, plus en profondeur au cours des prochaines minutes. Alors, Le temps d'agir, il est maintenant. Le temps d'agir est maintenant parce que nous savons que d'ici les quelques prochaines années, en fait d'ici les deux prochaines années, nous croyons que près de 95% des nouvelles voitures vendues au Canada vont être des voitures connectées. Alors encore une fois, on s'arrête à y penser. D'ici les deux prochaines années, l'ensemble de toutes les nouvelles voitures qui vont entrer dans le marché, ce sont des voitures connectées. Elles vont transmettre de l'information en temps réel vers le manufacturier automobile, et c'est là qu'il la donne, et c'est là que ça change en fait la dynamique. Euh, vous le savez, nous, dans le domaine de l'automobile, de l'après-marché, de euh, depuis les années 80, avec l'introduction du port de communication OBD, le on-board diagnostic, donc le port de communication, on a commencé à faire du, du diagnostic et de la réparation des véhicules sur les systèmes électroniques des véhicules. C'était assez de base à l'époque, mais en 96... On a introduit le port OBD2 qu'on utilise encore aujourd'hui, nous permettant de faire des réparations plus complexes sur des véhicules qui sont également plus complexes avec plus d'électronique. Et on utilise encore ces ports-là aujourd'hui. Mais là, avec l'arrivée de la télématique et de la voiture connectée, c'est maintenant cette information-là qui est envoyée encore une fois de façon directe, dynamique, en temps réel vers les manufacturiers automobiles. C'est un peu la combinaison, si vous voulez, d'être toujours connecté. Et du pouvoir de l'Internet. Et je fais toujours la pause en disant écoutez, quand on ajoute le pouvoir de l'Internet toujours connecté, on appelle souvent ça le IoT, le Internet of Things, euh, bien, la voiture va devenir un petit peu cette nouvelle euh, génération-là. Et si on prend les grandes compagnies dans le monde présentement, là, en fonction de leur capitalisation en bourse, bien, regardez ici qui se retrouve là, dans, dans le top 5, si on veut. Puis bien que ce soit toutes des compagnies qu'on reconnaisse bien, probablement qu'on utilise tous, on doit reconnaître que ce sont des compagnies qui ont en fait un, un trop, je dirais même un très grand, sinon un trop grand contrôle sur l'information des gens. C'est là qu'on commence à se réaliser que ce que ça a fait pour Apple, eh bien, si vous avez un iPhone, vous le savez, c'est difficile d'en faire la réparation. Souvent, les gens vont se dire Ah, oh, c'est si ton iPhone est brisé, tu dois T'es mieux d'en acheter un autre, c'est trop dispendieux de le, ré, de, de le réparer. Apple contrôle tout l'écosystème. Microsoft a maintenant évolué. On n'achète plus leur logiciel. On, on paie pour des subscriptions. Et de cette façon-là, Microsoft est capable de contrôler qui, quand, à quel moment, quelle information est partagée parce que c'est tout fait dans les systèmes en ligne. Euh, pensez à Amazon. Écoutez, j'adore Amazon, mais malheureusement, avec le surcontrôle de l'information, est en train de tuer un petit peu les petites entreprises, le commerce de détail. Peut-être dire aussi de Google. Euh, qui également, à travers là, tout le système euh, de, de publicité, a également mis en péril beaucoup les petits journaux de quartier, entre autres. Là. Et on voit Tesla, qui est également un modèle d'affaires de contrôler l'ensemble des informations du véhicule. Vous le savez, si vous êtes dans la business de réparer les véhicules Tesla, difficile d'obtenir les pièces. Ce sont des pièces d'origine, principalement. Tradition, on fait la réparation. Encore une fois, des modèles d'affaires assez fermés. Et donc, il faut se poser la question est-ce qu'on veut un environnement dans lequel on peut permettre euh, euh, plus d'innovation, où on va permettre aux manufacturiers automobiles, plutôt que les propriétaires des véhicules, de faire le choix de comment, où et par qui ils vont faire réparer leurs véhicules dans le futur? Mais encore une fois, écoutez, vous le savez, je suis un gars de technologie, j'adore la technologie, mais il faut qu'elle soit utilisée de la bonne façon. Et encore une fois, c'est avec des plateformes ouvertes, c'est avec des plateformes qui permettent à l'innovation, des plateformes qui permettent à la compétitivité qu'on va avoir les meilleurs résultats. Ce n'est pas avec des systèmes fermés. Et donc, il faut s'assurer qu'on a des systèmes réglementaires qui vont permettre à beaucoup de personnes de participer et non pas à quelques-uns privilégiés, à quelques grands groupes, de contrôler l'ensemble de l'information et des façons dont on répare nos véhicules. Encore une fois, s'agit-il du manufacture automobile de décider tout ça? ou des gens qui achètent, que ce soit un propriétaire unique là, ou un, un gérant de parc automobile qui doit faire les décisions sur comment et par où l'information doit être gérée. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est impliqué beaucoup au gouvernement fédéral a fait des représentations. Écoutez, c'est un sujet global. On en parle partout dans le monde. Euh, la gestion des informations, le pouvoir de l'information. Alors, ce n'est pas juste ici, euh, mais effectivement au Canada. Au mois de novembre, nous avons eu l'introduction euh, à la Chambre des communes par le ministre euh, fédéral de l'Industrie, ministre Bain, qui a été récemment remplacé par le ministre Champagne. Euh, non, ce n'est pas mon petit cousin en passant. Le <laughs> euh, ministre Champagne, euh, qui, sera, qui est maintenant le nouveau ministre de l'Industrie, euh, font le suivi sur la loi C11. Ça, c'est la réforme euh, de l'information confidentielle PEPIDA et également l'introduction de la charte euh, numérique pour le Canada. Et la charte, en fait, euh, canadienne du numérique, amène des concepts pour permettre que les Canadiens contrôlent leurs informations. Et il faut que ça s'applique à l'automobile. Ça s'applique à tout, mais on veut s'assurer que ça s'applique à l'automobile. Regardez l'item numéro 6, avoir des règles du jeu équitables. Et donc, encore une fois, la charte numérique est là pour permettre qu'on ait, encore une fois, euh, de la compétition, de l'innovation. Et c'est pour ça que nous voulons que le ministre Champagne, avec la révision euh, qu'il va faire avec la loi C11, inclut l'automobile, que la voiture connectée fasse partie de cette réforme législative pour assurer, encore une fois, que le consommateur continue à avoir le contrôle euh, de, des données euh, de son véhicule. Alors, c'est ce qu'on fait. Euh, on continue de faire euh, la promotion euh, auprès du gouvernement fédéral de s'assurer que dans la réforme de ce, de ce projet de loi-là, on parle encore une fois de la voiture connectée. Écoutez, euh, la projet de loi est en deuxième lecture au moment qu'on se parle. On s'attend à ce que ça, ça passe là, euh, au comité euh, pour sa révision. Donc, le moment, comme je l'ai dit, c'est maintenant. Et donc, quel bon euh, timing, je vous dirais, euh, d'avoir la possibilité euh, de se joindre à AutoCare Association et à AASC, euh, Aftermarket, Automotive Aftermarket Supplier Association. Deux associations sœurs aux États-Unis qui ont lancé il y a déjà quelque temps la grande campagne Your Car, Your Data, Your Choice. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une campagne canadienne ou de l'OIA, c'est bel et bien une campagne nord-américaine, je dirais même une campagne globale, pour assurer que le consommateur comprend bien euh, l'importance euh, d'avoir le contrôle et euh, la capacité de posséder les informations dans, euh, de son véhicule. Alors, qui est mieux placé euh, que le président directeur général euh, de l'AutoCare, euh, M. Bill Envy, mon bon ami à moi, de se joindre à moi aujourd'hui euh, pour venir s'entretenir effectivement euh, de, euh, de ce qui se passe aux États-Unis? Alors, bonjour Bill. Bonjour à tous et merci uh, JF pour uh, l'invitation à parler au groupe aujourd'hui. Mon français est élémentaire, mais je voulais montrer mon appréciation pour notre partenariat. Wow, Bill, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, vous le savez tous, Bill et moi, on a eu l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble, et j'ai toujours apprécié la capacité de Bill de, de dire quelques mots en français en espagnol. And uh, you always, you know, manage to say a few words in all those foreign languages. So thank, you. merci beaucoup, Bill. Euh, Je pose des questions question à Bill en français, mais j'en ferai la traduction. Bill, the first question, la première question, euh, donne-nous un petit peu de background sur euh, la campagne Your Car, You Did Your Choice. Uh, JF, as you mentioned before, 95 of the new vehicles are going to be telematically equipped within the next five years. Yeah. So, Bill nous dit effectivement qu'il renforce encore une fois que euh, nous allons avoir 10-5 euh, ans euh, l'ensemble des véhicules qui vont être des véhicules connectés. But what's important to note is that 85 percent of the consumers who own those vehicles have no idea that their vehicle is transmitting, transmitting data to the car makers and that they don't have and, and the car owners do not have access to that data. Ouais. Encore une fois, 85 des consommateurs, là, on leur pose la question, ne, ne comprennent pas que leur véhicule transmet de l'information en temps réel, qu'il va directement aux au manufactures automobiles. Cette information-là, les gens ne le savent pas, ils ne sont pas au courant de ça. Et ce qui est encore plus concernant à mettre c'est le fait que beaucoup de nos participants de l'industrie ne réalisent pas les implications sur notre industrie aussi. Well. Et encore une fois, on, on, les gens ne réalisent pas l'impact que ça a sur leur industrie, peu importe les intervenants à qui on parle, euh, ils ne se rendent pas compte effectivement de l'impact que ça a euh, sur notre industrie. La campagne effectivement, a été originellement lancée effectivement, pour éduquer euh, les gens sur euh, l'impact possible là, du, euh, de ne pas avoir l'information, l'accès à l'information des, des véhicules. it's also designed to educate the vehicle owner or the consumer about their right to be able to access that data it's their car it's their data it's their choice. right ouais. so also évidemment éduquer le consommateur de, de, de faire comprendre que c'est leur véhicule donc c'est leur information leur, euh, leur voiture leur data il devrait être évidemment en possession de ça. and the third element of the campaign is educating lawmakers. about the threat for data accessibility and where it's important is that if we can go back to the lawmakers and say that the consumers are on our side then we have a much, much better chance of passing that legislation right ouais. et le troisième aspect évidemment de la campagne c'est d'éduquer euh, les gens au gouvernement pour qu'ils comprennent bien l'impact euh, de la formation sur les véhicules et d'être capable de légiférer là, pour assurer euh, la protection des informations des véhicules and Go ahead, Bill. And, you know, and, and as you mentioned before, this is a very much a global effort, and we're thrilled to have our partners in Canada join us in this effort. Mm, thank you. Oui, Et, effectivement, c'est un effort global. Donc, c'est pas juste, évidemment, au Canada, aux États-Unis. On est content de travailler ensemble parce qu'évidemment, euh, nos, nos, nos voisins proches du Sud sont, sont très près, évidemment, mais c'est sûr que c'est un, un, un une issue, c'est un, un challenge, si on veut, global. Uh, Bill, j'ai autre question à te poser aussi, c'est… Uh, on a beaucoup entendu parler de ce qui s'est passé au Massachusetts. Il y a eu des résultats là, au Massachusetts au mois de novembre. Alors, donne un petit peu là, d'informations là-dessus. Of course, Jeff. Well, um, you know, as you had mentioned in your previous um, remarks, that we passed right to repair in Massachusetts in 2013, which gained, which allowed us to gain equal access to the OBD2 port. Right. So, alors d déjà en 2013 vous savez on avait déjà passé une législation dans l'état du Massachusetts pour le droit à la réparation pour avoir le droit d'accéder aux informations sur les ports euh, OBD and the legislation that was recently passed by the voters in Massachusetts by a count of 75% was the was to allow the access to telematics data in real time uh, in a standardized format et maintenant, ce qu'ils ont fait euh, au mois de novembre, c'est de retourner pour avoir un vote euh, qui a passé en pailleur à 75 euh, pour assurer que. Le consommateur a également le droit à travers l'extension du, du droit à la réparation, l'accès direct à l'information télématique de leur véhicule via une plateforme standardisée donc l'extension encore une fois de la législation sur le droit à la réparation. So Automotive en demandant to revenir back to the à la table. Les électeurs du Massachusetts ont parlé. Let's work out a program where we can help implement this law uh, when it is supposed to be implemented for the model year 2022. Right. So, alors le lendemain, évidemment, de notre grande victoire au Massachusetts, Bill est rentré en contact avec euh, l'association qui représente les manifestants automobiles en leur disant écoutez, euh, la loi a été adoptée, euh, soyons-nous, discutons comment on va permettre. D'implémenter la loi qui dit qu'à partir de l'année, euh, les modèles d'année 2022, il devrait y avoir cette plateforme ouverte euh, pour euh, le, permettre aux euh, propriétaires de véhicules de partager leurs informations télématiques. Donc, brièvement, évidemment, la réponse que, que Bill reçut de la part des marchés automobiles, bien écoutez, c'est une mise en demeure euh, ils sont présentés en cours. So now the automakers um, are suing the state of Massachusetts, not not the Auto Care Association or anybody else that was involved, but they're suing the state of Massachusetts, uh, and they're alleging um, some wild things. Uh, so. Alors, donc, euh, les manufacturiers automobiles, évidemment, n'ont pas mis en demeure l'association AutoCare ou l'après-marché, mais bel et bien l'État du Massachusetts qui a adopté la loi. Euh, et les manufacturiers automobiles sont présentés une longue liste de redevances euh, à ce niveau-là, euh, qui couvrent différents aspects bizarres, un peu, en fait. Yes. So they, they are saying that the, uh, the law violates the federal Clean Air Act. Alors, ils vont dire qu'effectivement, que la loi du Massachusetts qui a été adoptée bon, euh, ne respecte pas euh, toute le, la réglementation sur les émissions euh, polluantes. Uh, évidemment, il y, des, il y a des problèmes au niveau de la cybersécurité également. Qui va évidemment mettre euh, en péril là, la protection des informations personnelles. Which I find very ironic because they are the ones selling personal data. <laughs> oui, ce qui est un petit peu ironique, puisque c'est les, les manufacturiers automobiles eux-mêmes qui vendent les informations confidentielles des, des consommateurs. Uh, should I go on? <laughs> <laughs> et donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects qui ont été présentés. et, um, I guess we're thinking we're going to be successful. This, this lawsuit is not going to prevail. that uh, we are very confident that um, we are working hand in hand with the Massachusetts Attorney General, providing uh, our technical expertise to show them that their lawsuit is frivolous and uh, that we will prevail. So tomorrow uh, we'll find out uh, when and if we go to court. We sure uh, I'm sure we are, but uh, we feel very confident that we have a very strong defense of our industry. Right. Alors, effectivement, la question est qu'est-ce qui va arriver en prochaine étape? Euh, écoutez, c'est demain qu'on va savoir si, euh, effectivement, l'État du Massachusetts va devoir, devoir aller en cours euh, contre les manufacturiers automobiles. Euh, mais qu'on est très confiant euh, que l'information fournie et que les arguments présentés ne sont pas très forts. Et donc, on est très, très confiant qu'on euh, va, va gagner, en fait, ce cas-là en cours et que la loi qui est adoptée au Massachusetts va continuer euh, sur son, son bon chemin. Mm -hmm. uh, I, Bill, il y a aussi quelques questions qui ont été posées par les gens en avance. Et la première, et je vais la traduire est-ce que c'est possible d'avoir les manufactures automobiles uh, de relâcher les informations, les fonctionnalités en fait là, des appareils uh, scanner uh, pour les appareils de l'après-marché? Donc encore une fois, être capable d'avoir dans un appareil scan tool de l'après-marché l'information nécessaire l'utiliser à la place d'un scan tool du original. Bill? Well, JF, I'm not. Uh, my technical ability is almost as good as my French. <laughs> so, <laughs> so uh, but I did go to the technical expert to be able to answer this question. So, the original right to repair act uh, does require. same Alors c'est important de savoir que le, le, originalement, l'acte du droit à la réparation disait effectivement que l'information nécessaire pour un scan tool de l'après-marché devait être rendu disponible par les manufactures automobiles. However what the car makers have done is to have priced those, fun, those functionalities à uh, uh, the, the la all all ouais. Un des problèmes qu'on a vu, effectivement, c'est que euh, de plus en plus de manufactures automobiles ont fait en sorte que euh, le coût d'achat de ces technologies-là ou d'essayer de les incorporer dans les outils de l'après-marché euh, euh, fait en sorte que c'est très dispendieux. Et donc, ça a créé un problème dans lequel, effectivement, on voit de plus en plus de pression. par scan original marché. And you know and and they're also you know something that they're notorious for is delaying. So for example Mercedes you have to wait for those uh, functionality updates if you get them at all or you have to remind them. So they don't make it easy by any means. Right. L'exemple aussi là, de Mercedes-Benz euh, qui va faire en sorte bon, d'avoir des délais. Donc, euh, oui, l'information est rendue disponible, mais avec euh, des délais induits et à des prix euh, qui font en sorte que ce n'est pas compétitif et donc de créer des situations dans lesquelles euh, les gens vont envoyer effectivement les, les, euh, les réparations vers le manufacturier automobile euh, ou les, les concessionnaires plutôt que de le faire eux-mêmes. Yeah, that's a, that's a big problem. Il uh, y avait une autre question également qui a été posée. Um, Combien de manufacturiers automobiles au Canada sont en fait là, plus ou moins sous euh, le parapluie nord-américain de leur euh, compagnie là, basée aux États-Unis Combien de ces manufacturiers-là en fait sont vraiment plutôt dirigés à travers euh, les sièges sociaux aux États-Unis Well, uh, that's an interesting question, JF, and, and I would say the automakers play it uh, to their benefit, whatever the audience might be. Oui, alors c'est drôle parce que souvent les manufactures de mobiles vont jouer un petit peu cette carte-là en disant écoutez, ça ne se décide pas ici, ça se décide ailleurs. Donc peu importe dans le pays dans lequel ils ont affaire à la réglementation, ils vont tenter de le contourner un petit peu. Mais ce que je peux dire est que quand vous regardez la production de car, les fabricants ne veulent pas produire un véhicule qui est différent en Canada, qui est différent dans les États-Unis et qui est différent en Massachusetts. Ils veulent avoir. Synchronized production. So the way that we look at it, it, it's an entire entity because of the fact they don't want to sell separate uh, platforms or makes and models around the globe. They want to be able to consolidate their technology into one platform. Alors en bref, c'est sûr que les manufacturers automobiles, peu importe où ce qu'ils sont, euh, leurs sièges sociaux sont localisés, vont vouloir standardiser la production le plus possible. Donc ils veulent produire un seul véhicule. l'Amérique du Nord ils veulent pas avoir un véhicule différent pour le Massachusetts certain. et certains donc peu importe where le siège social les sièges les centres de décision ils want vouloir évidemment avoir uh, une platform unique and I guess build the real point here is that they're going to want to have uh, we need to push all around the world and so we get to get that legislation that will ensure that the platform they're going to build for the world is one that provides for that uh, direct access to uh, tillmanex data and that's an important point, Jeff, because we are basing the Massachusetts Right to Repair Act on international standards. There are three standards in order for us to be able to fulfill the obligations of that law. So we're speaking in an international standards language. Et je pense que c'est important de passer à nos participants aujourd'hui. C'est important de savoir qu'évidemment, le, le, on fait tous des efforts pour assurer euh, que la législation, la réglementation, pour assurer l'accès direct, mais c'est toujours fait à travers euh, des standards reconnus internationaux. Et donc, dans le cas du Massachusetts, encore une fois, la technologie qui est recommandée est basée sur des standards qui ont été adoptés au niveau international, qui sont reconnus par les ne automobiles. Peut-être pas les implémenter, mais ce sont euh, en fait là, des façons de faire qui vont assurer que le parc automobile là, euh, va être bien supporté. Bill, you did fantastic. Thank you very much. We, 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 mais merci beaucoup aussi thank you very much. So I guess the next question, I guess la, pression, la, la question suivante euh, est toujours de savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour euh, assurer euh, euh, que euh, nos, euh, nos gens au gouvernement fédéral vont assurer d'avoir euh, l'information nécessaire euh, pour faire les bonnes décisions. Écoutez, nous avons encore une fois avec la campagne lancé notre site internet et donc il est maintenant le temps d'agir et nous vous allons demander en fait trois actions. La première, c'est d'être informé, de prendre un engagement et de signer la pétition. Donc, pour vous informer, nous avons développé une série d'outils. Euh, ils sont tous traduits en français et disponibles. Vous pouvez les downloader, les visionner, les imprimer. Et tout ce matériel-là est disponible pour vous gratuitement sur notre site que vous allez voir là, euh, dans le chat. D'ailleurs, je vais demander à Kelly de le faire. Euh, que ce soit des informations pour les techniciens, que ce soit de l'information pour une présentation que vous voulez faire à des collègues de travail, que ce soit du matériel que vous voulez imprimer euh, pour donner euh, aux gens au comptoir. Euh, évidemment, les médias sociaux, c'est important. Nous avons déjà des messages ainsi que toutes les bannières graphiques prêtes à utiliser pour les réseaux sociaux. Euh, des templates aussi pour des courriels que vous voulez envoyer à vos employés ainsi que les mots-clés que vous devez utiliser dans vos communications ailleurs également du matériel pour le consommateur également. Le deuxième élément encore une fois tout en français, le deuxième élément c'est de prendre l'engagement, de mettre vos noms, vos compagnies, de vous engager à poser certains gestes pour assurer qu'on informe l'industrie, les clients et ainsi de suite et également possiblement euh, vous joindre en fait euh, à l'ensemble de notre groupe de champions euh, qui continue de grandir encore une fois. Merci à vous de vous joindre. On en a besoin de plus de ces champions-là qui parlent de la campagne, qui assurent que les gens comprennent l'importance de ce sujet-là, et qui également, possiblement, peuvent être reconnus par le prix canadien sur l'accès aux données des véhicules connectés. Et tout ça parce qu'on veut évidemment amener les gens à visiter euh, notre site sur change.org pour signer la pétition. C'est important. La pétition va être envoyée directement au gouvernement fédéral. Il va aller au ministre Champagne, responsable de la loi C11, pour lui demander de s'assurer de prendre des actes concrets pour assurer que la protection de l'information des véhicules pour les consommateurs fasse partie de cette grande euh, réforme-là de la loi C11. Je vais regarder rapidement. Je ne sais pas si on a également... Euh, des informations sur les questions. Je pense qu'on a couvert les questions. Je vais encore une fois en profiter pour remercier énormément Bill Henvey, le président directeur général de Autocare, de s'être rejoint à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé l'information intéressante. Merci encore une fois, Bill. Euh, et encore une fois, euh, restez en ligne. Euh, nous allons euh, continuer euh, la grande bataille. Cette euh, représentation d'aujourd'hui sera disponible euh, en, en enregistrement. Nous allons l'enregistrer et la rendre disponible. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, de l'avoir ou que certains de vos confrères voudraient l'avoir en différé, ça sera possible. Alors n'oubliez pas encore une fois, c'est votre voiture, c'est votre auto, c'est vos données, c'est votre choix. Merci encore.